Les athées nous disent que les religions sont l'invention d'hommes ignorants en quête d'explications existentielles et de pacification de leur conscience. On peut faire plusieurs remarques sur cette idée. On pourrait commencer par dire qu'il y a une vraie contradiction entre les thèses évolutionnistes darwiniennes et la pratique universelle de la religion. Darwin prétend que ses croyances aident l'homme à survivre dans ce monde. Or, auparavant, la survie de l'homme consistait surtout à récolter une nourriture rare et à éviter ses prédateurs nombreux. Si ces croyances sont fausses, elles représentaient un réel handicap plutôt qu'un avantage pour la survie de l'homme. Toute cette énergie déployée inutilement à construire des hôtels et des temples, tout ce temps dépensé à vénérer et à servir une illusion, un mensonge, peut difficilement être considéré comme une aide précieuse à une survie difficile. Ces croyances pouvaient même être dangereuses pour l'homme. Après tout, la biche qui croit que le loup est gentil est une biche morte. La pratique de la religion va donc à l'encontre des thèses darwiniennes sur la survie de l'espèce. Nous savons que l'homme est et a toujours été un être religieux. C'est peut-être donc les thèses de Darwin qui sont erronées. On pourrait dire aussi que puisque tous les hommes depuis l'existence de l'humanité, chacun dans leur coin, réagissent de la même façon, c'est qu'il a probablement un problème spirituel qui est loin d'être imaginaire. Entre d'un côté des milliards d'hommes, à travers les siècles, pratiquant une religion pour résoudre un dilemme spirituel qu'ils ressentent profondément, et de l'autre Darwin, qui dit qu'il n'y a pas de dilemme spirituel, faites votre choix. Mais mon vrai souci ici, et de répondre à la question « Pourquoi je crois au message de la Bible ?» Une des raisons est que le christianisme, tel qu'il est enseigné dans la Bible, est unique. Tous les peuples, depuis toujours, reconnaissent un problème spirituel insoluble. Ils ne le formulent pas exactement tous de la même façon, mais la source en est la même. L'homme n'est pas à l'aise avec lui-même. Il se sent fautif. Sa conscience le trouble. Il a le sentiment de ne pas être en paix avec l'univers. Or, chaque religion et croyance, à l'exception du christianisme, y apporte la même solution. À savoir, il faut que l'homme s'améliore. Il faut tâcher d'être une meilleure personne. Il faut sacrifier ou se sacrifier pour essayer d'être en paix avec le transcendant. Les voies préconisées pour y arriver sont diverses, et je n'ai pas le temps ici de tout lister, mais le principe est le même. Citons les religions les plus importantes comme exemple. Le juif dit qu'il faut observer la Torah et le Talmud. Le musulman dit qu'il faut observer les cinq piliers de l'islam. Le bouddhiste dit qu'il faut marcher sur le noble sentier octuple. L'hindou, lui, dit qu'il faut observer des rituels quotidiens divers comme la méditation. Conclusion. Tous mettent l'accent sur ce que l'homme doit faire, le sommant de respecter ses dogmes à la lettre. Le christianisme dit exactement le contraire. En ceci, il est unique. Le message de la Bible est, premièrement, ce n'est pas l'homme qui a la solution à son problème spirituel. L'homme est impuissant dans le christianisme.
la solution se trouve hors de sa portée. Il ne peut rien faire pour s'améliorer. C'est une idée révolutionnaire. Le christianisme prend toutes les autres religions à contre-pied. Celles-ci laissent toute l'initiative d'action à l'homme, puisqu'elles sont invention d'homme. Seul le christianisme n'exige rien de l'homme, absolument rien. Deuxièmement, le message de la Bible est qu'au contraire, tous les efforts de l'homme sont contre-productifs. Aussi sincères et nombreux qu'ils soient, ces efforts ne changeront rien à son problème. La Bible affirme même qu'ils y contribuent. Cette notion est inconcevable, voire abominable dans les autres religions. Le christianisme est la seule religion qui dénonce les bonnes actions de l'homme comme étant offensantes envers Dieu. En effet, le problème spirituel de l'homme est sa nature même. Puisque toute bonne action aurait sa source obligatoirement dans sa nature corrompue, ce n'est pas une augmentation de ses bonnes œuvres qu'il lui faut, mais une nouvelle nature. Seul le christianisme la propose. Troisièmement, le message de la Bible est que ce n'est pas l'homme qui doit agir pour résoudre son problème spirituel, mais Dieu. Christ, et pas l'homme, est au centre du christianisme. Le christianisme est la seule religion qui met l'accent sur ce que Dieu a fait pour les hommes. Il n'y a que le christianisme qui dit que Dieu est devenu homme pour nous sauver. Et c'est cet homme, Jésus-Christ, qui a observé la loi de Dieu à la place des hommes. Ce que nous étions incapables de faire, il l'a fait pour nous. C'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous. C'est lui qui a été puni pour nous. C'est Jésus qui apaise un Dieu en colère pour nous. Et c'est Jésus qui purifie notre conscience. Dans le christianisme, Dieu est actif, l'homme est passif. Dans le christianisme, c'est Dieu qui accomplit des merveilles, alors que l'homme est spectateur. Quel homme aurait pu inventer une religion aussi audacieuse, aussi unique? Voilà le Dieu chrétien. Voilà le message de la Bible. Voilà pourquoi je suis chrétien. Les autres religions et croyances du monde se ressemblent toutes car elles sont anthropocentrées, introspectives, basées sur les efforts de chacun. Le christianisme ne met pas l'homme au centre de son salut, mais Dieu. Et c'est là justement parce que, contrairement aux autres religions, le christianisme n'est pas l'invention d'homme, mais l'invention de Dieu.